Ce samedi 3 juin 2023, TF1 diffuse la grande finale de The Voice. Et à cette occasion, de nombreux artistes sont venus performer. Si est-il le cas de Christophe Maé. Et le chanteur a fait parler de lui, par son attitude particulièrement bienveillante. Encore quelques minutes. L'étau se resserre pour les 4 candidats de The Voice encore en lice, 2 dans l'équipe d'Amel Bent, Arslan et Micha, Aurélien dans l'équipe de Zazie et Jérémy Levif dans l'équipe de Vianney. Et qui dit finale exceptionnelle dit soirée exceptionnelle avec la présence de nombreux artistes. Et parmi eux, si est Aya Nakamura qui a ouvert le bal. Mais une fois n'est pas coutume, son attitude a vivement fait parler sur les réseaux sociaux. En effet, l'interprète de Pookie a mis un vent à Nikos Aliagas, ce qui n'a pas échappé aux internautes. Alors que celui qui vient de quitter 50 Minutes Inside était en train de lui parler, elle n'a fait que fi de son discours et est partie dans les coulisses. Il ne fallait pas plus pour que les commentaires sur le sujet soient nombreux, Nikos qui a grave stressé en prononçant le nom d'Aya Nakamura et elle lui a répondu, allez salut, en fait, Aya Nakamura, elle s'en branle de ce que dit Nikos, elle se barre. Non mais sérieux, le vent que vient de subir Nikos. Royal. Un grand monsieur qui met ce garçon sur le devant de la scène mais un peu plus tard, si est-il un autre artiste qui a fait parler de lui, Christophe Maé. Le chanteur était présent pour interpréter casting avec le talent d'Amel Bent, Micha, âgé seulement de 17 ans. Durant le duo, le chanteur a eu une attitude particulièrement bienveillante et remarquable puisqu'il a laissé beaucoup de place au jeune artiste, ce qui a séduit les internautes. Christophe Maé à chaque fois qu'il vient sur l'émission CIST un super moment de partage, on le veut en tant que coach l'année prochaine, Christophe Maé, une grande classe ce monsieur qui s'entoure souvent de sonorités et de musique du monde et chaque fois qu'il y a cette connexion entre les artistes CIST incroyable de qualité, j'adore Christophe Maé et son petit air décontracté, il a l'air cool comme mec et j'adore cette chanson, les paroles sont de circonstance, Christophe Maé et Micha. Un vrai duo, une vraie générosité, ça change d'Aya la diva, sublime duo. Christophe Maé un grand monsieur qui met ce garçon sur le devant de la scène peut-on lire sur Twitter. Un duo gagnant? L'avenir nous le dira.